Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Case Media. Une fois de plus, nous vous disons merci de rester toujours scotchés sur Case Media. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, à Bethesda pour rencontrer, n'est-ce pas, l'un des noms grands sponsors par rapport à cet événement du Big African Gala Night que nous organisons, n'est-ce pas, le 3 novembre 2018, ici même dans le DMV. C'est la personne de Jean Bosco Fogam qui est le CEO de Comsystech. Comsystech, qui est une compagnie qui nous supporte depuis 3 ans aujourd'hui. Et nous sommes ici à Bethesda aujourd'hui pour rencontrer ce monsieur, pour rencontrer, n'est-ce pas, ce grand homme qui dirige, n'est-ce pas, cette société avec bonheur, avec grandeur depuis des années. Mesdames et messieurs, restez scotchés tout de suite. Allons à sa rencontre. Celui-là même qui supporte l'événement du Big African Gala Night. Comme nous vous avons promis, n'est-ce pas, de faire des choses dans la façon professionnelle, nous sommes ici, n'est-ce pas, avec nos sponsors. L'un des sponsors ici aujourd'hui, c'est Comsystech. Vous avez sûrement vu son logo, n'est-ce pas, sur les flyers de cet événement que nous organisons, n'est-ce pas, le 3 novembre 2018. Alors, nous sommes aujourd'hui avec le CEO qui s'appelle, n'est-ce pas, Jean Bosco Fogam. Bonsoir, monsieur Jean Bosco. Oui, bonsoir, monsieur Bruno, et merci de faire tout ce parcours pour venir à nous. Je suis très impressionné déjà par ce Big African Gala Night, qui a maintenant lieu, ça devient une tradition. C'est au moins la 4e fois maintenant. Je crois que c'est la 3e fois, bon, okay. Voilà. La première fois, c'était pour lancer le média et nous avons promis ce jour que nous allons faire cet événement une fois l'année. D'ailleurs, vous avez commencé à supporter cet événement depuis le lancement. Alors aujourd'hui, comme Comsystech, que tu représentes aujourd'hui comme CEO, est-ce que tu peux d'abord te présenter aux téléspectateurs pour qu'ils puissent savoir qui est vraiment Jean Bosco? Oui, merci Bruno et merci aussi à tous les téléspectateurs et tous les supporters de la culture. Je suis Jean Bosco Fogam, je suis le chairman de Comsystech, le CEO, comme on le dit très souvent. Donc, en gros, c'est cela. Et Comsystech, s'il faut présenter Comsystech, c'est déjà une ancienne société qui fait dans le consortium en cybersécurité, qui supporte les entreprises. Dans les stratégies, des plans stratégiques et l'implémentation des solutions de cybersécurité. Donc, on fait également dans les formations pour soutenir, parce que en cybersécurité, c'est une science, une technologie qui monte et puis il faut tout faire pour supporter les entreprises et donner, créer un autre chemin à d'autres personnes qui veulent bien rêver, parce qu'il faut rêver dans ce pays. Et puis, nous sommes là, nous supportons avec des formations que nous. Et dans notre à distance déjà et aussi dans notre site. Avant d'entrer dans la formation et tout ça, j'aimerais que tu expliques un peu en tant qu'ingénieur dans ce domaine, pour celui qui ne comprend pas sa cybersécurité, quelle est la
Oui, en fait, pour expliquer et faire comprendre à l'audience, cybersécurité vient de deux mots composés, cyber et sécurité. Je commence par la sécurité. La sécurité, c'est généralement la protection. Mm-hmm. La protection de tout ce qu'on a comme qui nous entoure, la protection des hommes, la protection du matériel, la mm-hmm. protection des données mm-hmm. online. Et mm-hmm. aujourd'hui, on brasse tellement de données online. Et donc, la cyber fait allusion à tout ce qui est digital, qui est rapide. Mm-hmm. Avant, on utilisait l'analogique qui était très lent. Maintenant, on a une vitesse. C'est pour ça qu'on parle du digital transformation. Mm-hmm. C'est, on est à l'ère du digital et on veut sécuriser tout ce qui passe dans le digital, mm-hmm. qui est généralement les systèmes informatiques. Voilà. On les utilise partout, de vos téléphones, c'est un système. Et le rôle est consisté. Maintenant, c'est devenu, puisque dans ces cibles-là, il y a quelque chose qu'on appelle comme des virus qui endommage oui. les données des compagnies et tout ça. Et comme si c'est comme le sapeur-pompier qui vient éteindre ce feu. Voilà, vous avez utilisé le vrai mot, c'est le sapeur-pompier. En fait, il y a dans l'ère du digital, dans l'utilisation des téléphones, tout ce qui est électronique, il y a donc des systèmes qu'il faut protéger. Parce que nous, en les utilisant, nous avons les bandits, s'il faut l'appeler comme ça, les bandits de l'Internet qui nous guettent. Et si nous ne faisons pas attention, nos données sont prises, sont volées et tout ça, et on se retrouve dans une situation. Pour mieux expliquer aux téléspectateurs, pour qu'ils comprennent pourquoi les données vont être volées, par exemple les cartes bancaires, il y a des gens qui envoient des applications dans vos comptes ou bien entrent dans votre internet et pour vos numéros de compte et souscrivent l'argent dans votre compte. C'est ça que vous voulez dire, n'est-ce pas? Oui, il y a tout cela, c'est-à-dire vos numéros bancaires, votre social security et bien d'autres informations. Mm-hmm. Et si vous ne les protégez pas et les gens les utilisent, vous êtes en danger parce que toutes vos informations sont dehors. Et quelqu'un les utilise à votre place peut commettre d'autres crimes plus graves. Ce sera votre nom. Ouais. Et nous savons tous dans ce pays ce que ça vaut, votre social security ou bien d'autres informations. Ouais. Donc, nous sommes là pour essayer d'éduquer et de faire ce qu'on nous appelons assessment. C'est-à-dire qu'on vous prépare à ne pas tomber dans cette situation. Une entreprise, par exemple, qui tombe dans cette situation, vous avez la clientèle, vous perdez votre réputation. Mm-hmm. Vous perdez la réputation pour du ventre. Donc, on prépare tout cela et on a des applications, on a d'autres éléments pour protéger les systèmes. Anti-malware, on fait le scan, ce qu'on appelle couramment un anti-scan, tout un système pour les protéger. Comment est-ce que vous entrez en contact avec des compagnies qui ont besoin de ces services? Oui, c'est que nous faisons très souvent, il y a des gens qui viennent à nous très rapidement parce qu'ils ont suivi, par exemple, les publicités, ils viennent à nous, et d'autres, nous envoyons des offres de services. Nous envoyons des offres de services. Et du coup, ils nous contactent. Il y a par exemple des ambassades avec lesquelles on travaille. On envoie des offres de services. Mm-hmm. Et ces ambassades nous le contactent. Et on leur fait ce que nous appelons un free assessment, security assessment. Mm-hmm. On essaie de s'asseoir avec eux. On leur dit, bon, voilà, pour sécuriser votre système. Voilà. On va sécuriser ceci, on va former votre personnel. Mm-hmm. Et voilà. Et c'est très important. Entrons maintenant dans la formation que vous étiez en train d'expliquer, qui est très importante. Comment est-ce que vous formez, qu'est-ce que vous formez ici à Consistec? Oui, nous formons ce que nous appelons, nous formons des gens en Cyber Security Analyst. Les Cyber Security Analyst, les Cyber Security Incident Response. C'est-à-dire que, comme le sapeur-pompier intervient, il y a dans l'investigation, lorsqu'il y a un cas de crime, comme on l'appelle, quand il y a un cas de hacking, il faut investiguer. Bon, maintenant, on n'attend pas d'être hacké pour commencer à investiguer. On prépare les gens à mettre sur pied un programme pour ne pas être hacké. Donc, on prépare les Cyber Security Analysts, Cyber Security Incident Responder. On prépare aussi des gens dans un domaine qui est très utilisé aujourd'hui, les databases. Database, c'est tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous, où nous envoyons des requests pour avoir des réponses, c'est un peu le système des databases.
Donc, ils forment des gens dans ces trois grands domaines-là. Donc, il y a les cyber security operators, des gens qui peuvent être à mesure de faire le scan entier de tout un système et de pouvoir l'analyser pour qu'on puisse protéger le système. Voilà. Vous venez d'ouvrir, n'est-ce pas, ce nouveau bureau ici à Bethesda. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir un nouveau bureau ici? Oui, nous avons ouvert un nouveau bureau ici parce que dans la région de Maryland, nous avons beaucoup de nos gens et nous avons mis sur pied une espèce de network pour que nos gens s'intéressent à ces technologies qui montent. Et il faut que certains apprennent à apprendre cette nouvelle technologie parce qu'on n'échappe pas. C'est en train de monter. Il y a des gens qui peuvent refaire leur carrière. Oui, la raison pour laquelle on est là, c'est pour donner cette possibilité à nos jeunes, à tous ceux qui veulent se reconnecter dans un nouveau métier. Donc vous devrez donner des cours de formation ici, sur place et en ligne, comme d'habitude. Oui, bien sûr. Voilà. Et pour ces jeunes-là qui aimeraient venir, n'est-ce pas, participer à ces formations-là, quelles sont les modalités? Oui, les modalités de formation, on les place, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'attirer plus de personnes et donner une formation qualifiante, dont les prix sont assez abordables. Et puis, pour tous ceux qui sont intéressés, ils nous contactent par notre téléphone ou bien par notre email, sur support@comsystech.com. Et on nous leur donne tout le syllabus de formation. Et puis on s'arrange sur les modalités de comment. Pour ne pas être trop curieux, est-ce qu'il y a une durée, vous connaissez la durée de formation ou bien par rapport à ce que les gens ont besoin? Oui, mais il y a des durées. Les durées varient en fonction du type de formation. Mais il y a des formations intensives. Nous avons eu un de nos clients qui nous dit, écoute, je prends de l'âge, je vais me refaire. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Donc, nous avons taillé une formation pour lui. Il a dit, si ça peut tenir dans 2 mois, 3 mois, et que j'ai une formation qualifiante, nous avons dit, oui, bien sûr, voilà, la discipline, c'est à vous, et nous avons fait tout le reste. Voilà. Alors, vous venez, et puis vous allez sortir nouveau, et vous avez des options, vous pouvez travailler en remote, travailler à distance de la maison. Ouais, sans toutefois être au boulot, comme on dit. Oui. Yeah. Bon, maintenant, dans ces formations-là, puisque vous dites qu'il y a plusieurs formations, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs les types de formations que vous faites maintenant? Alors, en fait, les types de formations, nous ciblons un certain nombre de formations. Nous avons la formation du Cyber Security Analyst, qui est un peu plus longue. Nous avons la formation du Cyber Security Incident Responder. Nous avons également Cyber Security Operator. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, Cyber Security, les Database Operator. Oui, comment créer une base de données et comment l'utiliser, comment interagir dans cette base de données. Donc, il y a des gens, aujourd'hui, c'est des éléments de formation dont les entreprises ont plus besoin. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes sponsor du Big African Gala Night. Oui. Si aujourd'hui, les téléspectateurs de Kefedia voudraient savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à supporter cet événement? Oui, le premier élément qui nous permet de supporter l'événement Big Gala Night, c'est d'abord cet élan du promoteur qui aime la culture. Et nous ne sommes rien sans la culture. Il y a cet élément-là qui est l'élément motivateur. Et puis, nous voulons aussi passer le message à notre audience, nos gens, notre public, qu'ils comprennent que dans la vie, il faut pouvoir batailler, il faut pouvoir faire quelque chose et avancer sa cause. Il ne faut pas être résigné. Nous voulons passer ce message et en même temps encourager le promoteur cet événement-là. Oui, oui. Voilà. Et également, je crois qu'il y a une fondation maintenant. Voilà. C'est quelque chose, il faut se Nous sommes en train d'aller tous les jours, on un peu de échelle par échelle, comme on dit. C'est une très, très bonne chose. Voilà. Que vous pouvez compter sur nous.
Merci beaucoup à CEO de Consistec. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez donner les différentes adresses qu'on peut pour que les téléspectateurs puissent, n'est-ce pas, vous contacter en cas de besoin? Oui, notre adresse, c'est 6701 Democracy Boulevard, suite Triondrette, suite 300, c'est à Bethesda. Ouais. Et le téléphone, le toll-free, c'est le 888 492-3284. Ouais. Et si, pour les gens qui aiment faire le texte, SMS, c'est 804-484-2371. Voilà. Et par email, c'est support@comsystec.com. Voilà. Comsystec, c'est COMSYSTEK. Ouais. support@comsystec.com. Et juste une dernière question. Je crois que Comsystec a beaucoup de branches un peu de partout ici en Amérique du Nord. Est-ce que vous pouvez citer les quelques bureaux pour vous avez, oui, effectivement, nous avons un bureau satellite au Canada et un à Abuja pour la région Afrique. Voilà, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, nous avons un programme pour les années à venir. Après, chaque 2 ans, on va faire un séminaire en cybersécurité en Afrique. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, monsieur Jean-Bosco Fogam. Merci pour le support que vous apportez, n'est-ce pas, pour cette gala que nous allons célébrer ensemble ce samedi. Ouais. Je crois que les téléspectateurs des Caisses Médias auront l'occasion de vous rencontrer là-bas et vous poser des questions en direct. Avec plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à donner à ce public-là? Oui, tout ce que je peux dire au public, c'est de venir massivement supporter la culture, parce que au précédent, nous avons vu ce monde-là se lever comme un homme et supporter la culture. Voilà. Nous voulons que ce monde-là arrive encore et supporte toujours la culture, parce que c'est ce que nous avons de si cher. Voilà. Et puis, venez nombreux, je serai là, et posez vos questions. Voilà. Vous pouvez m'appeler, envoyer le SMS à tout moment, nous allons vous répondre. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme, n'est-ce pas, de cet entretien avec le CEO de Comsystec, Jean-Bosco Fogam, qui depuis 3 ans supporte cet événement de Big African Gala Night. Nous allons tout simplement saisir cette occasion pour lui dire déjà merci de toujours supporter la culture africaine. Merci pour, n'est-ce pas, l'apport que vous apportez, n'est-ce pas, aux promoteurs culturels ici dans le DMV. Et nous voulons vous encourager à de continuer dans la même lancée. Oui. Mesdames et messieurs, une fois de plus, Caisses Médias est là pour supporter la culture africaine, pour promouvoir les entrepreneurs comme M. Jean Bosco, qui aujourd'hui, à travers cette média, vous allez découvrir, n'est-ce pas, ce qu'il fait. Peut-être vous avez vos frères à la maison qui aimeraient faire des formations, n'est-ce pas, dans la cybersécurité. Voici l'opportunité de venir à cet événement, lui rencontrer en direct, lui poser des questions et prendre ses business cards. Alors, mesdames et messieurs, sur ce, on va vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. On prend rendez-vous, n'est-ce pas, le 3 novembre. Venez avec votre tenue africaine et nous allons célébrer ensemble l'Afrique. Le Red Carpet, on ouvre à 19h et nous allons aller jusqu'à 3h du matin. Croyez-nous, cet événement cette année, ce sera encore à une autre dimension. Merci pour votre confiance et surtout, restez scotchés sur Caisses Médias. Merci. Merci Bruno d'être venu. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Merci.